C'est vraiment déjà un effort important d'apporter 40 millions de masques à 7 millions de Français, 7 millions de personnes qui en ont besoin. Après, comme Olivier Véran a eu l'occasion de le dire, pour les familles classe moyenne, les masques ont un coût unitaire bas quand il s'agit de masques jetables et encore plus quand il s'agit de masques réutilisables. Et donc après, ça rentre dans le budget normal des familles. Là, aujourd'hui, je voudrais vraiment attirer l'attention sur la situation des personnes les plus en difficulté, parce que les SDF ne doivent pas être les oubliés de cette crise sanitaire. Les personnes sans domicile fixe, les personnes hébergées, elles, ce sont celles qui ont le plus de difficultés à avoir accès à des repas, et on a beaucoup développé l'aide alimentaire, à des masques bien sûr, et donc là on est vraiment dans le cœur de la solidarité nationale, elle est très importante, c'est la dignité de la personne qui est en jeu. Pouvoir avoir accès à un repas, à une douche, à un masque, c'est pouvoir faire partie de la communauté, participer à la vie de la société, et c'est important.